Pour la deuxième journée consécutive de l'examen du brevet de l'enseignement moyen, nos équipes se sont rendues à l'un des centres d'examen situés dans la capitale pour avoir la réaction des candidats sur les épreuves. Moi, personnellement, j'ai des difficultés en mathématiques. Aujourd'hui, je stresse beaucoup parce que nous allons passer l'examen des mathématiques et celle de l'histoire-géographie, surtout que cette matière compte beaucoup de leçons. Problème de mathématiques pose tellement de difficultés aux candidats, mais j'espère qu'ils vont bien travailler, sachant que pour le premier jour, ils ont eu des sujets abordables. Et comme cette année l'examen coïncide avec le mois de Ramadan, les candidats doivent faire face au stress et s'adapter aux jeûnes. Au début, nous avons eu très peur que nos enfants puissent passer l'examen du BEM en plein mois de Ramadan, mais apparemment, ça se passe bien pour eux. Les résultats doivent être annoncés le 27 juin et pour accéder au palier secondaire, les candidats doivent avoir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.